Alors, contre un Looper, on joue comment Looper? Vous voulez qu'on joue R? Non, il va pas chercher à rester loin normalement. C'est quoi ce skin de merde là? Bon, ok. On va y aller comme ça. Donc, il y a un Saiyan guide. Oui, ben en fait, c'est un mec qui a reroll. C'est un gars, on l'a invité. C'est un Looper mage en fait. Cheval de Troie, il reroll en Sadie. Donc, on sait pas, on sait pas. J'attends de voir. Bellota, 4000 de vie. C'est un joueur haut. C'est quoi CRS Bellota? Vénère quand même. Attends, y a un excès là. Là, il y a un petit excès. Bah, je peux pas crever en fait. Ça va juste être un peu long, je pense. Ou alors, il m'érode. Ouais. Gardien. En même temps, il n'y a pas besoin de bouclier LM, hein. On va pas s'emmerder avec ça quand on a 50% reste de base. Ah, et le foot, et le foot. C'est Tarkan qui a mis les modes de bof comme ça? Non, j'ai rien contre les footix, ce chat, hein. Donc maintenant, je vais voir des petites émotes. Ah, et le foot dans mon chat. Dans mon chat! Ah, oh, ça va être long, Bellota. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Là, ça me détend pas du tout, hein. On pige, on pige. On voit pas le stuff sur le site. Tu me fais chier, Bellota! Putain! C'est quoi le but? Vous êtes combien à faire ça? Mais par contre, il m'érode, non? Ah, ça, c'est pas bon. C'est pas con. Il peut peut-être m'avoir à l'érosion. Vous avez vu hier l'affrontement de Logan Paul contre Mayweather? Erf, non. C'était éclaté, c'était à chier, c'était tellement nul. Oh, c'était tellement nul. Jamais vu un truc aussi rompiche. Qu'est-ce que c'était naze! Oh. Incroyable.
Bah, en fait, si vous voulez, Logan Paul, il a pas. Ah, il va me tacler à chaque fois. Putain, il me casse les couilles. Logan Paul, il a pas l'étoffe pour faire face à Mayweather. Du coup, sa strat, c'est à chaque fois, c'était de l'attraper, quoi, de la gripper. Du coup, chaque fois, la grippe, il sépare les deux. Donc, en fait, c'est un petit peu le retrait PA, le retrait PM plutôt sur Dofus. Chaque fois, il était là à faire durer en attrapant pour que le round se passe plus vite. Oh, c'était de la merde. Putain, mais comme ce combat, mais qu'est-ce qu'on se fait chier? Putain, t'es niveau 199, alors tu joues comme un 149 farm. T'as pas besoin de partir sur les modes de connard full rési. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Ça fait 8 tours, on est tous les deux full life. Qu'est-ce qui se passe? Foire. Terrible, 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 terrible. C'est quoi cette merde? Retraite ou corruption, son spell à Paul. Ouais, c'est tellement chiant. Oh putain. Je perds tellement patience que je vous envoie des sorts dans le vide. Putain, mais quel mode de victime, quoi. Je pèse mes mots, je pèse mes mots, hein. Par contre, il a un cheat, hein. C'est qu'avec son mode, le gardien il fait autant de dégâts que lui. Il est tellement chié, le gardien, le chat. Ok, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Ok, pas mal, pas mal. 300 HP. Connard, 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 on a que ça à foutre! Quand tu joues 199 Bellota, à moins de vouloir atteindre une cote à 5000, et encore, jouer Full Rocks! Putain, la méta 189, c'est une méta pour jouer Full Rocks! C'est pas une méta pour faire les connards avec des modes full raise. Même sur mes modes tryhard 199. J'ai peut-être quelques modes avec du 30 à 40% raise en tryhard, mais c'est pour pas mettre mes alliés en 3v3 au fond. Parce que mon matchmaking, quand je suis avec un sacri par exemple, fait que je vais choper des alliés solides avec moi. Ou alors, ouais, c'est au-delà de 4800. Et encore.
C'est du sans pritech. Oh, qu'est-ce qu'on se fait chier. C'est quoi ce Pokémon encore? C'est quoi ce truc? Franchement, je peux speedrunner un petit peu le colis ou je vais me taper des mecs full res, parce qu'en fait, lui, je suspecte un mode retrait tacle. Je sais pas pourquoi. Je vois un 199 avec 38% res. Ça, c'est un mec en casque drague d'où l'Uxley, en fait, donc ça me fout la gerbe. Bon, j'ai compris le délire. J'ai compris. Ça va être ça toute la soirée, ou... Il y a un moment où on se tape des adversaires un minimum logique. Mise en garde... Oulala ! Ça va partir en full rocks ? Ah non. On va dire GG quand même. Oh putain, putain, mais putain, mais... À quel point faut être un fils de pute pour faire un mode pareil? Oh mais sérieusement! Dites-lui bien joué le chat en vrai, USR Café, dites-lui bien joué. Oh mais merde! Les gars, ils font des modes 199 pour jouer comme des fils de pute! Putain, mais si vous jouez 189, faites des vrais mods en fait, je sais pas. Allez-y en 1400 de stats, arrêtez de nous casser les couilles avec un ersatz, un stuff niveau 200 qui pue la merde. Si tu veux faire un stuff d'enculé, tu joues niveau 200, t'arrêtes de nous casser les couilles. Regardez mon ancien IUT, il est pas beau. En plus, il faisait beau quand ils ont fait les photos, c'est stylé. On peut reculer un petit peu? Voilà. Avec le petit clocher là. Là on se met bien. Hop, on va chercher le sandwich ici. Bon, on a un colis. Contre un cra, yes. Déprimant, ah ouais. Oh, j'ai pas l'initiative. What the fuck? What the fuck? J'ai pas l'initiative contre un cra. Bon, le chat. Il y en a qui essaient de faire des stuff anti-cra en colis. En fait, prenez juste un Eni. Il n'y a pas de souci, l'Eni c'est déjà anti-cra de base. En tout cas, pour les cra comme ça. Bon, bah là, je vais pas pouvoir lui mettre des bennes. Attends, j'ai mis mon event ou pas? Ouais, c'est bon. Par contre, j'ai pas mis la maîtrise invoque. Ça me déprime. Yop, oh, marche super bien contre les cra. Ouais, je pense. Je pense. Ah, mon lapino, non! S'il te plaît! Ah, ça dégoûte. C'est pas grave. On va y aller doucement. On lui a mis un ébène. Il
Bouffon, tu sens le truc. Oui, j'allais dans une sandwicherie qui s'appelait Bouffon. Très bon sandwich, Bouffon. Très très bon sandwich. Moins 4 PA, il abuse. Quinze% eau, j'ai 10% et 15% feu. Il a trouvé une de vue. Moins 4 PA, pff, il fait mal. C'est pas cool, pas cool, pas cool. Non, mais sérieusement. Ouais, c'est la Bible, hein, en vrai. Détente à 26% là. Ouais, c'est plutôt les tentes de torcher un cran. Je sais pas ce que vous en dites. Regardez le placement. Attends, j'ai quoi? J'ai 7 PA. En gros, je vais aller là. On lui met un tourbillon ici. Comme ça me fait aussi un dégât en mêlée. Et je peux instant lui mettre un ébène. Par contre, là, c'est la Bible. Je suis désolé, mais. Moins 4 PA à tous les tours, plus sa petite percu qui se promène, c'est bon quoi. C'est bon. Y a pas idée de jouer des cras pareils. Donc, on va chercher les dégâts et on arrête de faire des stuff retrait, ça dégoûte. Merde. Ah, j'ai foiré mon tour là. Comment je fais pour me rattraper? Ah, ça pue hein. Normalement, c'est Flamish sur Lapino. Flamish sur Lapino et en double turbu. C'est pas grave, c'est 500 dégâts en moins du coup. Mange Clous, 190. C'est normal, hein, j'ai pas assez de cote là. Faut que j'augmente ma cote. Comment tu fais pour battre les Feka avec un Kra? Faut avoir l'ini. Si t'as pas l'ini avec ton Feka, enfin avec ton Kra, pardon, c'est chaud. Et tu joues feu. Et si t'es Feka et que tu veux counter les Kras, bah tu te mets avec des res feu. Et c'est bon. Ah, Lapino, fais pas n'importe quoi! Ouais. Ils jouent tous comme ça, hein, les roses. Ils jouent tous des modes retrait. Non, mais ils font ce qu'ils veulent. Putain, pourquoi je contrôle pas ce Lapino? Faut que je mette dans mes raccourcis. Hein. T'as déjà joué à Guild Wars 2? Ouais, gris, il y a très longtemps. Guild Wars 2, c'était pas mal. Mais en fait, Guild Wars 2 est arrivé au moment où Warcraft 3 arrivait. Donc après, j'ai fait que du tower défense. Ouais. Non mais sérieusement, les... Rah, les mecs qui partent full retrait comme ça, pff, ça dégoûte.
Voilà, apprends un petit peu ce que je subis depuis tout à l'heure. 9 PA. Bien vu. Solide sur ses appuis, le croisement là. Commence à faire mal son mur. Hein. En même temps, j'ai que des dégâts mono cible, je peux pas faire de miracle. Hein. Quand j'ai pas de PA, je peux pas tout clean. Neuf PA. Okay.